Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Vous en avez marre du RGB? Vous voulez du noir? Vous ne voulez plus de RGB? Vous voulez que du noir? On a la solution pour vous avec la Meg X570. Elle a failli tomber. La Meg X570 Unify. Donc pour les processeurs AMD Ryzen 3000. Bon, les autres aussi, ça fonctionne, mais c'est principalement quand même pour les AMD Ryzen 3000. Et cette carte mère, vous savez ce qu'elle a? Eh bien, tout simplement, elle n'a pas de RGB. Elle est intégralement noire. Si vous avez des barrettes sans RGB, un ventira de CPU intégralement noir, ça se mariera très très bien avec. Côté tarif, on reste sur du haut de gamme pour les Ryzen 3000 puisqu'on est sur une base de 309 € minimum. Sur ce, on vous propose de la découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging et noir, c'est noir. On passe maintenant au bundle avec une notice d'utilisation. Des petits autocollants pour pouvoir marquer vos différents câbles SATA. D'autres petites notices d'utilisation. Le DVD avec les pilotes, les applications. Un petit guide de montage rapide. Et on a ici une petite sacoche. Qui va contenir encore plein de nouvelles choses. Comme des câbles pour le RGB, un petit logo MSI Gaming, câble encore pour le RGB, petite visserie pour les M2, câble SATA, ici du câble encore pour le RGB et ici là le nécessaire pour pouvoir brancher les antennes aux borniers qui sont à l'arrière de la carte mère. On découvre le design de la carte mère et clairement noir, c'est noir. Et en plus, il n'y aura pas de RGB. Alors, on sait, dans le bundle, on a parlé de petits câbles RGB, mais c'est pas parce qu'on a des câbles RGB et pas de RGB sur la carte mère que la carte mère n'est pas capable de gérer le RGB via son logiciel. Juste vous gérer le RGB des autres composants. Alors, comme on le disait, noir, c'est noir. On a tout qui est noir, les dissipateurs, le PCB, les différents accessoires. Dans la partie haute, ici, on va retrouver le radiateur qui va refroidir les 13 phases d'alimentation. On a un petit caloduc entre les deux et on va alimenter le processeur avec deux connecteurs 8 pins. Ici, on a le socket à destination des processeurs AMD Ryzen et juste à côté, on va retrouver 4 DDR4. On pourra mettre 32 Go. Par slot jusqu'à 128 Go au total et on pourra grimper jusqu'à 4600 MHz en OC. Sachez que c'est 3200 MHz de base avec la gestion du processeur. On vous montre aussi toutes les prises fan qu'il y a sur la carte mère parce qu'il y en a un sacré paquet, ça c'est plutôt intéressant. On a deux dans le bas ici, on va retrouver également trois là et on en a de nouveau deux ici. Ici on va trouver le 24 broches ATX, un premier USB 3.0, 4 SATA. Un autre USB 3.0, ici un USB type C, alors 3.1, 3.2, 3.2, mais alors franchement, comprendre toutes les normes d'Intel sur les USB 3, ça devient vraiment très 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 compliqué. Ici on a le postcode, le reset, le power, tous les dispositifs pour mettre le power on, le reset, le HD audio, des USB classiques. Ici, le radiateur qui est au-dessus du chipset avec un ventilateur. On a également 3 M2 PCI Express 4.0 qui sont câblés en 4X. Et on va voir ici la partie PCI Express pour les cartes graphiques ou les cartes filles avec deux premiers ports ici en 4.0 qui sont câblés en 16X quand il y a une seule carte, en 8X quand il y a deux cartes, et sachez que le dernier, lui, est câblé en 4X. Ensuite, ici, on a des PCI Express 1X qui sont câblés, eux aussi, en 4.0. Enfin, sur la partie gauche, on va avoir toute la partie audio qui est séparée du reste du PCB de la carte mère pour éviter toute interférence. On passe maintenant à l'arrière avec les boutons pour pouvoir mettre à zéro le BIOS ou pour pouvoir flasher le BIOS. Ici, on a les deux borniers pour les antennes pour le Wi-Fi 6, un PS2, ce qui est très rare, mais c'est très bien. Ensuite, on a différents USB en super speed, donc en 3.0. On a également du type C. On va également avoir de l'Ethernet 1000 avec du 2500, donc pas du 1000, de l'Ethernet 2500 avec une puce Realtek
RTL8025, à ne pas confondre avec la radio. Enfin, sur cette partie, on va avoir tout ce qui est audio en 7.1 avec support des sorties numériques optiques. À l'arrière de la carte mère, rien de spécifique à voir, on est sur du noir et on a le renfort autour du socket juste en dessous du processeur. Avant de découvrir la carte mère avec des plans en musique, on se quitte avec la machine allumée. Alors bien sûr, c'est juste pour l'exemple, pour vous montrer qu'on n'a pas de RGB en fait sur la carte mère, qu'elle est intégralement noire. On a bien sûr le postcode qui lui est en rouge comme le power on, le reset ou encore la petite diode qui vous dit que la carte mère est allumée à droite du 24 broches ATX. Sur ce, avant de découvrir cette petite carte mère avec quelques jolis plans en musique, on vous dit à très bientôt sur cocotteland.com pour nos news, nos articles à propos du hardware et sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes les prochaines vidéos. Thank you.